Alors. Allons fouiller les dossiers de Saren. Commandant, là-bas, il y a une autre balise, comme celle d'Eden Prime. D'où il a une balise, lui? Tout ça pour ça? Le mal a envahi cet endroit. Nous devons tout détruire. J'ai un mauvais pressentiment. Vous n'êtes pas Saren. Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'ivée? Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit, à tâtons. Du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Je ne crois pas que ce soit une idée. Il existe un plan d'existence éloigné de vos perceptions, que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom est Sovereign. What? Ce n'est pas un vaisseau de moissonneur que Saren a trouvé, c'est un moissonneur tout court. Moissonneur. Un nom donné par les Protéens pour incarner leur destruction. Ok. Qu'importe leur sobriquet. Nous sommes. Et c'est ainsi. Les Protéens ont disparu il y a 50 000 ans. Vous ne pouviez pas être là, c'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique, un accident. Vos vies se mesurent en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels. L'apogée de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes l'accomplissement, la fin de tout. Toutes les races de la galaxie se sont unies pour vous faire face. Assurance et sœur d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle? Quel cycle? Il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent, et arrivées à leur apogée, elles meurent. Les Protéens n'ont pas été les premiers. La citadelle n'est pas leur œuvre, pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. C'est... Okay. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution organique. Vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre volonté. Ils nous moissonnent. Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin, puis ils nous détruisent. De quoi avez-vous besoin? D'esclaves? De ressources? Ma race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation, indépendante, sans faille. Vous êtes incapables d'appréhender ne serait-ce que notre nature. D'où venez-vous? Qui vous a fabriqué? Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous sommes absolus.
Des millions d'années après la chute de votre civilisation, nous subsistons. Où sont les autres moissonneurs? Vous êtes le dernier de votre espèce? Nous sommes légion. L'heure de notre retour a sonné. Nous assombrirons les cieux des mondes. Vous ne pouvez échapper à votre destin. Vous n'êtes qu'un simulacre de vie. Une machine, ça se détruit. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis le souffle de votre destruction. Cet échange est terminé. Commandant, on a un problème. Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau, là. Sovereign, il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous, et vite! Vous feriez mieux de vous tirer de là! Cette console ne fonctionne plus. Une idée, commandant Shepard? Ouais, on se dirige vers le centre d'élevage. Joker passera nous prendre quand on aura posé la bombe. Taillou! Même si j'avais quelques autres questions à lui poser, quand même. Les gaines se détournent de votre position, Geto. On dirait qu'Ombre a touché un point sensible. Alenko, bloquez-les. Allez, on se casse. On va tout faire péter et Taillot. Cette tourelle pourrait faire de jolis trous dans le Normandie. J'avoue que c'est du joli canon quand même. Je peux faire des gros trous. Hop là, on est au sup. Attention, ils nous ont suivis en... Chut. Augmente les dégâts, ouais. En haut de l'ascenseur. Ah, ils ont pris cher. Yep. Bon boulot, équipe. Maintenant, c'est à nous de jouer. T'inquiète, on arrive. Pas question de les laisser en solo. Nous y voilà. Nettoyez-moi tous ces guettes et posez les charges. J'aime pas ces petits recoins où il y a plein de guettes qui pourraient se cacher. Charge posée. Tout le monde à terre. À terre. Ça va péter. Sauvegarder. Waouh, beau travail. Un problème de moins. Commandant, nous sommes en approche. Je vais nous poser aussi près du site que possible. You.
casse. La bombe est presque prête, lieutenant. Rejoignez le point de rendez-vous. On est bloqué au pont flottant à l'extérieur de la base. On est en train de se faire aligner. On ne sera jamais au point de rendez-vous à temps. What? Sortez-les de là, Joker. Tout de suite. Négatif, c'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. On les retient aussi longtemps qu'on... Ça va aller, commandant. Il nous faut quelques minutes pour finir d'armer la bombe. Allez les chercher et retrouvez-moi ici. On va à la tour. Allez! C'est en train de partir en cacahuète sévère. C'est ici? Ça a l'air. La réception était magistrale. Il semblerait que les guettes aient envoyé des renforts. Artilleur, on vient de repérer un transport de troupes qui se dirige droit sur vous. Il est déjà là. Il débarque ses troupes sur le site. Vous pourrez les contenir? Ils sont trop nombreux. Je crois qu'on n'y arrivera pas. J'active la bombe. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que vous faites, artilleur? Je vais me débrouiller pour que la bombe explose, quoi qu'il arrive. C'est fait, commandant. Allez chercher le lieutenant et fichez le camp ici. Négatif, on pourra se débrouiller. Retournez chercher Williams. Oh le choix. Oh putain, ce choix quoi. Aïe aïe. Oh, je sais pas quoi, ça m'énerve. Je veux pas. Allez. Alenko, contactez Joker et dites-lui de nous retrouver sur la tour anti-aérienne. Oui, commandant. Je... C'est la meilleure solution, vous le savez, lieutenant. Désolé, Ash. Il fallait faire un choix. Je comprends, commandant. Je n'ai aucun regret. Oh là. Qu'est-ce que tu veux faire des choix comme ça, sans déconner? Commandant, dépêchez-vous! On ne pourra pas les retenir plus longtemps!
mode barbare. Que les Galariens étaient la véritable menace. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que j'ai accompli ici. Vous ne pouvez pas en comprendre les enjeux. Pourquoi faire ça? Rappelez-vous votre vision, Shepard. Plus que quiconque, vous savez ce dont les moissonneurs sont capables. On ne peut pas les arrêter. Ne vous enlisez pas dans une révolte futile. Ne sacrifiez pas tout au nom de libertés insignifiantes. Les Protéens ont essayé de se défendre, et ils ont été détruits jusqu'au dernier. Des billions de morts. Mais s'ils s'étaient inclinés devant les envahisseurs, que serait-il advenu? Peut-être les Protéens existeraient-ils toujours. La soumission n'est-elle pas préférable à l'extinction? Vous croyez vraiment que les moissonneurs nous laisseraient la vie sauve? Maintenant, vous voyez pourquoi je n'ai jamais soumis mon plan au Conseil. Les êtres vivants que nous sommes sont commandés par leurs émotions plutôt que la logique. On se bat même si on sait qu'on n'a aucune chance. Mais en collaborant avec les moissonneurs, en nous rendant utiles, imaginez le nombre de vies qu'on pourrait économiser. Moi, je suis pas d'accord. Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint Sovereign, même si j'étais conscient du danger. J'espérais que ce centre pourrait me protéger. Vous ne valez pas mieux que tous les pauvres gars du centre. Vous êtes un jouet de Sovereign. Il vous prend et il vous jette. J'ai étudié les effets de l'endoctrinement. Plus Sovereign exerce son contrôle, plus le sujet perd ses facultés. C'est ce qui me sauve. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai toujours toute ma tête pour l'instant. Mais le passage d'allié à serviteur peut être subtil. Je ne me laisserai pas faire. C'est déjà mort, mec. Sovereign vous manipule. Et vous ne le savez même pas. Vous êtes déjà à sa botte. Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Ensemble, on peut arrêter Sovereign. Les moissonneurs ne sont pas invincibles. On peut les écraser. Je n'y crois plus, Shepard. On ne peut pas contester les visions. Les moissonneurs sont trop puissants. Pour s'en sortir, le seul espoir, c'est de s'allier à eux. Sovereign est une machine et il pense comme une machine. Si je fais mes preuves, je serai une ressource qu'il faudra ménager. Il n'y a pas d'autre conclusion logique. Vous étiez un spectre. Vous aviez juré de défendre la galaxie. Et vous avez trahi votre parole pour sauver votre peau. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Vous ne comprenez pas. Sovereign sera victorieux, c'est inévitable. Ma décision est la seule valable si nous voulons survivre. Je forge une alliance entre les moissonneurs et nous, entre les êtres vivants et les machines. Ce faisant, je sauverai plus de vies que la galaxie en a jamais porté. Mais vous voulez détruire mon œuvre. Vous voulez condamner notre civilisation tout entière à l'anéantissement. Pour cela, vous méritez de mourir. Mais tire.
largement le temps d'aller la sauver. Accrochez-vous. Je ne peux pas croire qu'Ash y soit resté. Comment on a pu la laisser là-bas? Williams connaissait les risques. Elle a donné sa vie pour nous sauver. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas elle? Vous n'êtes pas responsable, lieutenant. J'avais une décision à prendre, je l'ai fait en votre faveur. Mais si j'avais fait plus attention, vous n'auriez pas eu à la prendre. Ce n'était ni votre faute, ni la mienne. Le seul responsable ici, c'est sa reine. Oui, commandant, je... On la vengera. Commandant, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai eu une idée. Je crois que la balise dans la base de Saren est similaire à celle d'Eden Prime. Elle a peut-être ajouté des éléments manquants dans votre vision. Je peux vous aider à les assembler. Vous voulez joindre votre conscience à la mienne, c'est ça? Allez-y. Détendez-vous, commandant. Contemplez. Incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ces images puissent être aussi nettes, aussi vivantes. Accordez-moi un instant pour me ressaisir. Vous êtes capable d'interpréter cette vision? C'est un appel de détresse. Un message envoyé dans tout l'Empire protéen, en guise d'avertissement contre les moissonneurs. Mais il est arrivé trop tard. Et le canal? J'ai vu d'autres images, des lieux, des endroits que j'ai vus dans mes recherches. Ilos! Le canal est sur Ilos! Voilà pourquoi Saren cherchait le relais mu. C'est le seul moyen de se rendre sur Ilos. Il faut aller sur Ilos. Vous n'y pensez pas? Le relais mu se trouve dans les systèmes Terminus. Les vaisseaux de l'Alliance ne sont pas les bienvenus là-bas, et les Spectres non plus. Le canal est sur Ilos. C'est là que se rend Saren. Et j'ai bien l'intention d'être là-bas pour l'accueillir. Saren mobilisera toute sa flotte autour d'Ilos. Vous n'atteindrez jamais le sol sans renfort. Il faut prévenir le Conseil pour qu'il mette une flotte à... Désolé, le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Nous avons terminé. Rompez. Commandant, il y a une balise de transmission dans le coin. Je peux me connecter si vous voulez prévenir le Conseil. Au sujet de Sovereign. Établissez la connexion, Joker. Je dois les prévenir. Tout de suite, commandant. Commandant Shepard, ravi d'apprendre que votre mission sur Virmir a été un succès. Saren est déjà bien assez puissant sans une armée de Krogan sous ses ordres. Les Krogan auraient servi Sovereign. C'est un moissonneur. C'est ce qu'indiquait votre rapport, oui. Sovereign, machine douée de raison, véritable intelligence artificielle. Cette nouvelle est alarmante. Si toutefois elle s'avère fondée. Oh là là, c'est reparti. Sovereign est un moissonneur. Saren lui-même l'a avoué. Il joue avec vous, Shepard. Saren a toujours des contacts à la citadelle. Il a sans doute lu vos rapports précédents évoquant votre vision et les moissonneurs. Il est tout à fait possible que Saren use de désinformation pour vous déstabiliser. Nos propres services de renseignement n'ont jamais obtenu d'informations allant dans ce sens. Un jour ou l'autre, il faudra bien que vous me croyiez sur parole, conseiller. Essayez d'envisager la situation selon notre perspective, commandant. Saren est un danger que nous pouvons évaluer. En revanche, pour le moment, les moissonneurs n'existent que dans votre vision. Nos décisions affectent des billions de vies. Nous ne pouvons pas agir sur les accusations d'une seule personne, même s'il s'agit d'un spectre. En tout cas, pas sans preuves tangibles.
C'est précisément pour les cas comme celui-ci, où le Conseil ne peut agir officiellement, que les spectres ont été créés. Vous avez carte blanche. Si vous pensez réellement que Sovereign constitue une menace, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'arrêter en même temps que sa reine. Bonne chance, commandant. De notre part à tous.